Et bonjour à tous et à tous, ici Réflexion, votre unique compagnie évidemment, et je fais des gestes incroyables, ça faisait très longtemps que j'avais plus dit cette phrase. En fait c'est faux, hein, parce que ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo, c'est incroyable. Oui, la spontanéité et Réflexion, c'est quelque chose de relatif, on va dire. Incroyable, magnifique. Mais enfin bon, je suis pas là pour ça. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo IRL, puisque vous voyez, je ne suis pas sur un jeu, on voit ma tête et tout, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Bon, il va falloir que je me calme un petit peu. Bref, alors avant de commencer cette vidéo, sachez que si je vous manque et que si vous voulez voir des vidéos où je suis présent, je suis occupé de faire un let's play en ce moment même, qui se passe en live premièrement, et en fait c'est des rediff live qu'elle coupe en vidéo tout simplement. Je suis occupé de faire un let's play en duo, du coup, sur la chaîne de Killimias, sur Minecraft. Et ça se fait sur le mode Pixelmon, voilà. Donc si vous avez envie de voir du Minecraft, des Pixelmon, tout ça, je suis présent dans sa chaîne, sur ses super vidéos incroyables et magnifiques, avec une voix dépravée de dépressif. Mais c'est pas grave, je suis quand même présent, c'est magnifique. Alors cependant, sur Pixelmon, on va pas être tout le temps ensemble, vous allez pas voir mon skin tout le temps, et c'est elle qui filme. Je ne filme absolument pas, donc vous n'aurez pas ma vue. Cependant, je réfléchis beaucoup à faire ma propre aventure Pixelmon, puisque maintenant on va en arriver sur le point assez incroyable. L'explication de mon absence, bah oui, parce que ça fait combien de temps que je suis plus là. Voyons voir ça directement sur ma chaîne. Hop, alors. Oui, parce que je prépare rien, comme d'habitude, vous commencez à être habitué, de toute façon c'est une réflexion après tout. Ça fait 7 mois que je n'ai plus posté une seule vidéo, et je dois avouer que ça me manque beaucoup. Comme d'habitude, de toute façon, je vous le répète à chaque fois. Donc à chaque fois, je vous le dis, ça me manque de poster des vidéos, et à chaque fois, je disparais, c'est absolument exceptionnel. Et vous vous notez qu'après cette vidéo, au bout de 2 semaines, je vais de nouveau disparaître, c'est assez fréquent de toute façon. On commence à être habitué. Mais enfin, là, j'aimerais beaucoup, dans l'absolu, réussir enfin à rester sur ma chaîne comme je l'avais fait à une époque, parce que vous savez que pendant plus d'un an je n'ai jamais été absent, la première année de ma chaîne après tout, et j'aimerais bien reprendre ce rythme, cette envie. Alors évidemment je le promets à chaque fois et je n'arrive jamais à le tenir, donc c'est un peu compliqué. Donc il va très certainement avoir un retour prochainement, puisque je ne suis plus en formation. Vous savez, ça fait un moment que je suis en formation maintenant, et c'est un petit peu une cause qui fait que j'ai arrêté les vidéos au passage, je tiens à le préciser quand même. Car ma formation avait des horaires assez dégueulasses, ça faisait que j'étais extrêmement fatigué. Mais maintenant je pète la forme, hein, comme vous pouvez le remarquer de toute façon. Donc il y a un retour possible très prochainement, surtout qu'il va très bien, je vais très bientôt être en vacances, puisque le centre de formation ferme du 15 juillet au 15 août, mais je vais reprendre avant évidemment, vous vous en doutez bien. Sinon, je ne ferai pas la vidéo maintenant, ça n'aura aucun sens. Et du coup, ça en vient à une question très importante, parce que je suis en pleine hésitation, en fait. J'hésite simplement à reprendre ma chaîne, à reprendre Réflexion 25, à refaire des vidéos sur cette chaîne, comme je le faisais avant, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il y a 580 abonnés sur la chaîne, même si au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas suffisamment de vues pour être légitime à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Je suis pas là pour ça, je suis juste là pour me faire plaisir de toute manière. Mais c'est vrai que j'hésite grandement à recommencer une toute nouvelle chaîne, recommencer l'aventure de zéro avec un tout nouveau pseudo. Bah parce que mon pseudo Réflexion 25 a été un peu sali par mes absences, à cause de moi en fait, tout simplement, à cause de tout ce que j'ai pu faire, à cause de tout ce que j'ai pu entreprendre. Et en plus, avouons-le, mon commentary a beaucoup évolué. Avant, je gueulais beaucoup, j'étais énormément énergique. Et on va dire que je me suis un petit peu calmé avec l'âge, en fait, tout simplement. Je suis devenu beaucoup plus calme, même si je le suis pas totalement. Je sais pas comment expliquer, avant je parlais toujours avec la voix assez incroyable, mais là je le fais plus, parce que bah, déjà j'ai pas la voix pour le tenir. Au bout d'une minute, je suis mort et je suis essoufflé. Ah, c'est ça d'être un gros lard, des fois. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bref, du coup, c'est pour ça que j'en viens vers vous, parce que j'ai cette grande hésitation. Je ne sais pas si je vais recommencer une nouvelle chaîne avec un nouveau pseudo. J'attends vos avis, en fait. Et je sais pas non plus si je vais reprendre sur Réflexion 25. Très certainement qu'une autre vidéo arrivera avant que les vidéos arrivent.
soit pour vous annoncer ma nouvelle chaîne avec mon tout nouveau pseudo, soit pour vous dire que simplement je reste Réflexion 25. Mais je dois avouer que cette hésitation m'embête, donc j'aimerais votre avis, tout simplement dans les commentaires, merci d'y répondre. En tout cas, sachez que je vais bientôt revenir, il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de faire avec vous, notamment The Witcher 3. Et aussi, tiens, au passage, ce qui me donne envie de refaire un nouveau pseudo, c'est que je pense qu'il y a certaines séries qu'il faudrait que je recommence. Tout simplement Overlord. Je ne suis plus du tout satisfait de la façon que j'ai traité Overlord. Et je voudrais le refaire avec tout simplement ma personnalité, plutôt qu'essayer de jouer l'Overlord, parce que c'était pas moi en fait, c'était l'Overlord, voilà. Je jouais ce petit rôle d'Overlord et je n'étais pas moi-même et ça me déplaît en soi. C'est pour ça que je me demande si je n'ai pas envie de recommencer cette série, ce qui impliquerait de soit la refaire sur ma chaîne, soit de la refaire avec un nouveau pseudo. Le même problème m'arrive avec plusieurs séries comme Bully par exemple, mais Bully j'ai pas envie de le refaire en fait. Il y a quelque chose qui fait que je n'ai plus envie d'y jouer. Et après il y a une nouvelle série que j'aimerais bien entreprendre, hein, comme Witcher 3 par exemple, Witcher 3 que j'aime beaucoup. J'ai fait quelques tests dessus, je crois que j'ai 40 heures de jeu dessus. Cependant il faut que je le recommence, et comme ça fait un moment que je l'ai fait, bah je me souviens plus de l'histoire. Donc autant que je le fasse en vidéo, c'est ça que je me dis. Tout bêtement, hein. Il y a aussi les Warhammer. Oui, parce que Total War Warhammer est un jeu que j'aime beaucoup. Et vous le savez que dans ma chaîne, j'ai souvent essayé de faire venir des jeux de stratégie et de gestion. Qui sont des jeux que j'aime beaucoup. Mais que je ne pourrais pas faire tout le temps, en fait. Tout simplement, c'est pour ça que ma chaîne n'est pas spécialisée là-dedans. Du coup, du Pixelmon, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai bien envie de reprendre mon aventure de mon côté. Je regrette beaucoup de pas avoir filmé mon point de vue, en fait, tout simplement avec Killy, sinon j'aurais simplement passé ça. Mais du coup, j'ai beaucoup envie de le faire en vidéo, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de Pixelmon. Forcément, hein, fallait que je me renseigne sur le mode, donc j'ai regardé plusieurs vidéos de youtubeurs. Et je me demande en soi si c'est... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant à regarder, en fait. C'est bizarre à expliquer. Sur le jeu en soi... Au bout d'un moment, on se lasse, mais sur les vidéos, on se lasse pas. Parce que d'un côté, il y a le côté Minecraft et le côté Pokémon, qui fait qu'il y a un certain mélange assez intéressant, je trouve. Alors évidemment, du feed de Beast. Ça me semble logique, parce que ça fait combien de temps que je vous promets de refaire une série en entière. Et j'ai bien envie de faire Agrarian Sky 2 au passage. Juste comme ça. Mais enfin bref. Et mis à part ça... bah je sais pas, on verra, il y a beaucoup de jeux que j'ai acheté et que j'ai envie de faire, notamment j'ai acheté le jeu Styx, que je connaissais pas du tout, et que j'apprécie beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai acheté récemment? Overwatch évidemment, mais ça j'ai pas spécialement envie de le faire en vidéo, je crois que ça paraîtrait plus en live en fait. Bah là tout de suite je sais pas, du Factorio est un jeu excellent. Ouais, j'ai plus de voix, désolé. Factorio est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, et j'aimerais peut-être beaucoup le faire en vidéo, on verra tout simplement. Et ben, j'aimerais aussi faire revenir ma passion du jeu rétro gaming, ainsi que les jeux PS4, alors attendez. Hop. Notamment celui-là, voilà, tout simplement. Mais pour ça, je vais simplement attendre d'avoir Windows 10. Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi tout simplement parce que grâce à Windows 10, je pourrais envoyer directement ma PlayStation sur mon PC. Et c'est beaucoup mieux que l'HDPVR, disons-le très clairement. Surtout que mon HDPVR bug beaucoup. Donc évidemment, tout ce qui est jeux PS4, The Order, tout ça, j'ai effectivement envie de les refaire. Bah de les faire tout court, hein, parce qu'en fait, je joue tellement peu à ma PS4. Le jeu Yu-Gi-Oh! Aussi, évidemment. Enfin, j'ai toujours plein d'idées, de toute façon, c'est pas nouveau. Donc, vous avez compris, ce que je vous demande, en gros, c'est ce que vous pensez du fait que je recommence une nouvelle chaîne avec un nouveau pseudo, que je recommence tout à zéro, que plus rien ne compte, qu'on oublie Réflexion 25, ou est-ce que je reste sur cette chaîne? C'est surtout ça que je veux savoir, en vrai. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à répondre, je vais pas vous demander de partager, je vais pas vous demander de laisser de like. Enfin, si laissez des likes, ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, donc dans tous les cas. Je vais pas vous demander de partager, parce que je veux surtout savoir, c'est votre avis. Voilà, tout simplement. Donc, moi, voilà, j'attends vos réponses. Et je suis perdu. Je suis perdu, les gars. Bref, j'attends vos réponses, j'attends vos commentaires. C'était Réflexion, votre unique compagnie. Ciao, bye bye.